Voilà, donc aujourd'hui, Pépère va tester une fontaine à eau, ça tombe bien. Il fait quasiment 40 degrés ici chez nous, au château du Swag. Et donc, je lui ai acheté une fontaine à eau qui était en promotion au magasin Poil et Plumes de Mons. Et qui est un principe tout simple, en fait, c'est de connecter un tuyau d'arrosage à une pédale que le chien peut actionner lui-même pour faire donc jaillir de l'eau, ce qui le rafraîchit de manière ludique. Alors, Pépère, vous le savez, est complètement fan de l'eau et des tuyaux d'arrosage, puisque quand il voit que je branche le tuyau d'arrosage, il aboie. Il adore ça. Et comment? En général, il prend le bout du tuyau d'arrosage et il s'en va avec. Ça tâte Stéphanie, on sait quelque chose. Donc voilà, on va tester. On a attendu un petit peu de temps pour pouvoir tester ça, mais là, les conditions sont absolument idéales. Et donc, comme vous le voyez, Pépère est au bout de sa vie. On va tester, on a hâte, on va aller ouvrir l'eau. Voilà, donc l'eau est ouverte. Alors, il y a ici un petit. Comment appellerons-nous ça? Un petit falcor. Robinet, je vais y arriver, j'ai très très chaud. Pour réguler la pression. Voilà. Donc, on teste. Alors l'avantage, outre l'aspect ludique et rafraîchissant, c'est que le chien peut actionner lui-même et que donc l'eau reste fraîche, au contraire d'une gamelle qui reste au soleil. Corny aime bien. Ils ont compris que l'eau en sortait, ça c'est clair. Falcor a essayé de l'attraper. Maintenant, il faudrait qu'ils comprennent qu'il peut actionner la pédale lui-même. Falcor. Oui, c'est bien ça, bien. Vas-y. Non, sans casser si possible. Falcor. Allez, appuie ici. Regarde. Normalement, Pépère est extrêmement intelligent, mais la chaleur va peut-être ralentir ses capacités de compréhension, mais augmenter sa motivation. D'accord. Appuie là. Là. Il va chercher. Probablement, il va trouver par hasard. Voilà. Voilà. Il a compris. Il a compris. Hep, hep, hep. Non, non. Falcor. Voilà. Vas-y, appuie. Oui, c'est bien ça. Alors, à un moment donné, il faudra couper le robinet d'eau parce que sinon, la facture. Voilà. Et on ne part pas avec. Non. Appuie, bébé. D'accord. Allez, appuie. Vas-y, appuie bébé. Il sait parfaitement que l'eau sort du tuyau, hein. Donc il essaye de prendre le tuyau. Bon bah fallait s'y attendre, Falcor ne veut plus rentrer. Il veut jouer avec sa fontaine. Il fait trop chaud Loulou, on va encore jouer tantôt, viens. Allez, viens te mettre au frais, viens. Tu veux encore jouer? Allez, viens! Bon, ben, je pense que le test est concluant. On ne peut plus concluant.